Tu viens avec nous. Vous voulez mon sac, je vous donne mon sac. Prenez. Sac. On s'en fout. Tu viens avec nous. D'accord. Tu vas monter. D'accord. Compris. D'accord. Oh. Hey. Oh. Putain, c'est quoi ce bordel? Alors surtout, je veux qu'on voit leurs regards, parce qu'ils sont tellement intelligents, vous ne trouvez pas? Oui, ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper d'eux. Maman vous aime. Vous ne trouvez pas qu'ils sont extraordinaires? Ah si, ils sont très, très beaux. D'ailleurs, j'ai rarement vu des chiens aussi poilus. Mais rassurez-moi, ils n'ont pas l'air trop fatigués, j'espère, parce que nous rentrons de Tokyo et avec le décalage... Non, ils ont l'air en pleine forme, hein? Excusez-moi. Ouais, José, non, mais je suis en plein boulot, là. Bah, je suis avec les toutous et sa mère. Qu'est-ce que tu racontes? Non, ok, j'arrive. Bah, écoutez, vous avez raison, finalement, ils ont l'air crevés, hein. Là, ils sont très cernés, ces chiens. Mais ce qu'on va faire, hein, c'est qu'ils vont faire une bonne sieste, et puis, moi, je repasse demain, d'accord? Au revoir, madame. Et ben voilà, de quoi te remettre en forme. C'est trop gentil. Toujours avec des jolies filles. Écoute, on n'a pas eu le temps d'en parler. T'as bien eu Nicolas hier à l'adresse que je te donnais? Oui. T'as pas envie d'en parler, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Nicolas a sa vie maintenant. Ça veut dire qu'il a quelqu'un? Apparemment, oui. Une jolie fille en plus. Ah. C'est pour ça que t'as ce petit air triste. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est juste que Nicolas et moi, ben, c'est de l'histoire ancienne, c'est tout. Tu savais qu'Hélène était repartie? Oui, ouais. Pourquoi tu m'as rien dit? Ah, parce que... Tu sais, je n'aime pas raconter ce genre d'histoire. Mais tu sais pourquoi elle est partie? Non, je ne sais pas. Mais en fait, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle allait repartir à la Rylane. Et c'est tout. Il y avait un problème avec Nicolas? Bah, je ne sais pas. Ah. Tu ne l'as pas demandé? Si, mais il s'est arrangé pour ne pas répondre. Eh oui. Tu vas le revoir? Non. Enfin, peut-être, je ne sais rien, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vais pas le traîner dans ma galère et puis c'est trop dangereux pour lui.